Wesh, wesh, comment vous allez? C'est Tech News, on se retrouve pour une vidéo particulière dans la forêt. Attends, il y a peut-être un ragot qui se cache par là. Petite nouvelle vidéo pour annoncer magnifique paysage. Je kiffe. Je sais pas s'il y a des gens ou s'il y a personne, mais waouh, ah, ça a vibré. Et regardez-moi ça, si c'est pas beau. C'est tellement stylé. J'espère qu'on m'entendra bien. Au pire, je toucherai le son au montage. Est-ce que j'ai fermé la voix dessus? Est-ce que d'ici? Alors, cette forêt, elle est un peu creepy quand même. Parce que... je suis sûr qu'il y a des cadavres qui sont cachés et tout ici. Petit esquivage de branches. Waouh! T'as les bruits de la nature et tout. Oh putain! Bon, on va pas aller par là. Je sais pas si on entend les voitures derrière, mais ça fait un peu chier quoi. Si on entend trop les voitures et qu'on entend pas beaucoup moins, c'est pas ça le but. C'est pas trop ça le but. C'est un truc au bord de la route tranquillement posé, tu vois. Et franchement, c'est pas loin d'où je suis logé actuellement. Et c'est sympathique. Bon, c'est une petite vidéo info, hein, voilà, pour parler de tout, voilà. Pour vous dire de grosses nouvelles. Je sais pas ce que ça va être le titre de la vidéo, mais en tout cas, ça sera fait exprès pour que, bah, elle sera vue, quoi. Donc, malheureusement, je pense que je vais mettre un titre assez osé, putaclic. Ouais, on va dire ça comme ça. Même si je fais du putaclic sur ma chaîne, j'ai aucune vue. Donc bon, qu'est-ce que tu veux? Je sais pas. Voilà. Donc, par quoi commencer? J'ai déménagé, voilà. Je pourrais faire le montage de cette vidéo-là, mais... et la upload, mais voilà. Je peux pas faire de vidéo à l'intérieur, sauf des vidéos pas préparées, c'est-à-dire... genre, je filme une vidéo sur le tab pour une vidéo gaming, mais sinon, je peux pas faire de vidéo commentary là où je suis logé en ce moment, parce que... bah, c'est pas très bien insonorisé. Du coup, quand on parle, ça résonne dans toute la maison. Et c'est pas très très intéressant et super gentil pour les personnes qui y habitent. Mais, grosse nouvelle, j'ai peut-être... oui, peut-être... comment vous dire... une maison mitoyenne pour moi tout seul. Mon premier logement. Vous y croyez ça ou pas? Non, vous y croyez? Vous y croyez pas ou vous y croyez? Parce que moi, c'est du mal à y croire. Et je vais vous dire où je vais habiter. C'est dans le Limousin. À vous de deviner où. Dans le Limousin, c'est très grand, c'est très vaste. Voilà. Si vous voulez une petite précision, c'est à 1 et à 9 le département. Ça commence par ça. Après, vous trouverez la suite vous-même parce que j'ai pas envie de vous la donner. C'est pour vous donner plus de difficultés quand même. Hein, sinon, ce serait nul. Sinon, parce que caché, ce serait nul. Donc voilà. Donc, je vais avoir un logement. Hein, voilà, je vais bientôt avoir un logement. Normalement, je suis censé avoir une réponse dans quelques semaines pour savoir si je peux l'avoir ou non. Voilà. Hein. Et bah, je croise les doigts. Voilà, je croise les doigts que moi, je pourrais vous faire des trucs de fou. Je fais explosion tout de suite. C'est génial. J'adore. C'est trop calme. C'est un peu beaucoup trop calme. Et du coup, j'ai trouvé un autre travail. Parce que du coup, comme pour ceux qui me suivent depuis le début, vous saviez que j'habitais sur Bordeaux, dans le 33 ma gueule, et que j'avais un boulot. Du coup, là, j'ai trouvé un nouveau boulot. Je refais ma petite vie à zéro, je suis parti chez mes parents. Et du coup, avoir une maison, ça va me refaire. Les vidéos pourront être à foison. Bon, faudrait que j'ai le temps de faire les montages, quoi. Mais sinon, ça, tout le temps, vlog, vidéo, sur des jeux vidéo. Enfin, plein de possibilités s'offrent à moi. C'est un truc de fou, ce paysage. Et puis la qualité du téléphone, on va pas se le cacher, elle est bien. En même temps, il fait un peu frais, hein. Je vais pas vous cacher qu'il fait un peu trop froid. Hein, c'est... ouais, il fait très froid, trop froid. Ça, c'est un peu chiant qu'il fasse froid, mais c'est pas grave, c'est pas très grave. C'est qu'un détail. Je trouve pas les mots, je m'en vais. Non, plus sérieusement, je recommence ma vie
à zéro, je pars de chez mes parents, je vais pouvoir tout recommencer, construire ma vie, je m'envole de mes propres ailes, comme nous pourrons dire très poliment. Voilà, ça va faire plaisir, ça, bien sûr, ça fait un chaud au cœur quand même de partir de chez soi. Ça fait mal au petit cœur de laisser nos parents loin et sa famille, quoi. Parce qu'il faut savoir que je suis parti quand même loin de Bordeaux. J'ai à peu près 2 heures et quelques de route si on prend l'autoroute, voilà. Et c'est un peu beaucoup loin parce que tu fais pas ça tous les jours. Bah, tu vas pas aussi loin tous les jours, quoi. C'est pour ça que c'est compliqué. Mais bon, faut bien qu'un jour, quand on est grand, quand t'es plus adolescent, que tu commences à rentrer, à être un petit adulte, on va dire ça comme ça, un petit adulte, mais tu... Je crois que j'ai entendu quelqu'un. Je sais pas, c'était une voix de femme. C'est très bizarre. Bon, c'est pas grave, on continue la vidéo. Non, mais sinon... Vous aurez sûrement des vidéos avec ma moto et ma DS, donc ma voiture, la petite voiture que j'ai. Je vais pouvoir faire des vidéos avec. Voilà. Je vais en faire plus parce que les routes ici sont juste ouf. Moto, voiture, c'est un truc de net. T'as des virages partout, il fait beau, il fait chaud, il fait froid, il y a de la neige. Bon, je vois que la chaîne grandit petit à petit, on va dire ça comme ça. Je gagne des abonnés, j'en perds, mais j'en gagne plus que j'en perds quand même. C'est-à-dire, ça fait entre 825 et 820. Ça fait que monter et descendre entre ces 5 chiffres. Bah, je me contente de ça, quoi. Qu'est-ce que vous voulez? J'y suis pour rien, tout ça. Je suis dégoûté quand même, mais bon, malheureusement, c'est YouTube. Qu'est-ce que vous voulez? C'est YouTube. Je tiens à vous dire aussi qu'il y a une vidéo qui va arriver d'un urbex que j'ai fait avec Dubrizo. On va dire les frères Dubrizo, les jumeaux, que j'ai fait mon premier explo urbex. Il y avait quelqu'un qui m'écoutait depuis tout ce temps. Je l'ai vu partir avec sa voiture juste là devant moi. Il a dû partir très vite en courant dans sa voiture et partir doucement en voiture pour voir qui c'est qu'il y avait dans les bois qui parlait tout seul. Parce que franchement, c'est un peu flippant, si t'entends quelqu'un parler dans les bois tout seul comme ça et que toi t'arrives avec ta petite voiture. Putain, il y a un mec qui parle dans les bois, je sais pas où il est. Je m'en vais en courant. Je sais pas comment appeler cette vidéo, en vrai, je sais pas du tout. J'ai marqué j'ai déménagé. Voilà, j'ai déménagé. Ça va être le titre de la vidéo, j'ai déménagé. J'espère que ce type de vidéo vous plaira. Hein, parce que c'est. J'innove un petit peu, j'ai pas trop vu. C'est pas que j'ai pas d'idée. C'est juste que j'ai pas d'endroit pour filmer correctement, quoi. J'ai un téléphone, je viens de débaucher du travail, que je suis sapé en mode boulot, là. C'est pas possible, je peux pas faire autrement. On va stopper la vidéo là, ça va faire une vidéo assez longue et tout ça, donc j'espère que ça va vous plaire dans tous les cas. Ben n'oubliez pas, je sais pas pourquoi je vous dis de mettre un commentaire alors que. Bah, j'ai presque jamais des commentaires, quoi. J'ai presque jamais de commentaires. Mais un petit like, je sais qu'il y a des petits likes des fois, donc ça fait plaisir. Mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous, parce que je sais qu'il y a des gens qui s'abonnent. Donc arrêtez de vibrer, s'il vous plaît. Abonnez-vous, ça serait super plaisir. Cliquez sur la petite cloche également si vous vous abonnez, parce que bah, ça vous fera la notification. Donc petite cloche, tâche la vidéo, la notification. Donc ça fait plaisir. Sauf si vous avez trop de petites cloches, ça veut dire que trop de vidéos vont s'afficher. Je vous déconseille ça sur le PC. Quand... Dilou. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des bisous. Oui.